Nous allons lire un long passage, puisqu'il s'agit de 41 versets. Attention, accrochez vos ceintures. C'est le texte du jour. Vous savez, on a eu une discussion avec certains d'entre vous avant le culte. Le texte du jour, ça correspond à une liste. Il s'avère que les protestants suivent une liste qui a été créée à Rome, en réalité, hein, puisque c'est le nouvel ordre de la messe, tel que ça s'appelle en latin, en latin de l'Église de Rome. Et ça a été, c'est une liste qui a été créée au moment du Concile Vatican II, donc dans une dynamique de l'Église catholique qui se voulait assez ouverte et œcuménique. Et en réponse à ce travail qu'ont fait des dizaines et pas loin de 100 théologiens pour établir cette liste, eh bien, le côté protestant a décidé de s'associer aussi à ce système de lecture. Et donc, quand nous lisons le texte dit du jour, en fait, nous lisons un texte qui vient d'une proposition catholique, ce qui est une façon aussi pour nous de manifester que nous sommes parfois avec des familles où monsieur est protestant, madame est catholique, ou l'inverse, et puis l'un est allé à la messe, l'autre est allé au culte, et quand on se retrouve à table, eh bien, on peut partager sur le même texte. C'est aussi intéressant de se dire que, en ce dimanche, un peu plus d'un milliard de personnes vont entendre ce texte. Moi, ça me parle, cette idée que des gens au fin fond du Pakistan ou en Afrique du Sud auront lu aussi ce passage, qui se trouve donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, et que je vous lis. « En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après ces mots, il cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava et quand il revint, il voyait. Ses voisins et les personnes qu'il avait vues mendier auparavant demandaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis pour mendier ?» Les uns affirmaient « c'est lui », d'autres soutenaient « non, c'est pas lui, mais il lui ressemble ». Lui-même disait « c'est bien moi ». Ils lui demandèrent « comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il expliqua « l'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, il l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit « va à Siloé te laver ». J'y suis allé, je me suis lavé et je vois. Ils l'interrogèrent « où est cet homme ?»« Je ne sais pas », répondit-il. On amène aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux un jour de sabbat. C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, lui demandèrent ce qui s'était passé pour qu'il voie maintenant. Il leur raconta, « Il m'a mis un peu de boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Quelques pharisiens lui dirent, « Celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres répliquaient, « Comment un pécheur pourrait-il accomplir de tels signes ?» Et ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri, « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?»« C'est un prophète, » répondit-il. Cependant, les autorités juives ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et que maintenant il avait retrouvé la vue. C'est pourquoi elles convoquèrent ses parents et elles les questionnèrent. « Est-ce bien là votre fils ? Affirmez-vous qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'il voit maintenant ?» Les parents confirmèrent. « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment maintenant il voit, ça nous ne le savons pas et nous ne savons pas non plus qui a ouvert ses yeux. Interrogez-le, il est assez grand pour répondre lui-même. » Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, celles-ci s'étaient déjà mises d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le ».
Les pharisiens convoquèrent une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent « Dis la vérité devant Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils l'interrogèrent « Que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux ?»« Je vous l'ai déjà dit, répondit-il, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois? Peut-être voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple !» Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons pas d'où il vient. » Il répliqua « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient et pourtant il a ouvert mes yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute toute personne qui l'honore et fait sa volonté. On n'a jamais encore entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'une personne née aveugle. Si lui ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu veux nous faire la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il alla à sa rencontre et lui demanda « Crois-tu au Fils de l'homme ?»« Qui est-il, Seigneur ?» répondit-il, « pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit « Eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle. » « Je crois, Seigneur, » dit-il, et il se prosterna devant Jésus. Jésus déclara alors « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent « Serions-nous donc aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais non, vous dites « Nous voyons ». Donc, votre péché demeure. Amen. Vous aurez noté que les chants du temps de louange étaient excellemment bien choisis. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, j'étais aveugle, maintenant je vois. Nous avons été préparés par ces chants. C'est une histoire qui ne manque pas d'humour. Cet aveugle né qui maintenant voit, on peut dire quand même qu'il a le sens de la répartie, cette façon de provoquer les autorités, de dire les choses tout en ayant peur, mais de répondre aux questions. On a là un face-à-face tout à fait classique, avec finalement une grande angoisse collective dans ce passage. Cette angoisse collective, c'est que quand les aveugles restent aveugles, c'est rassurant. Quand les sourds restent sourds, c'est rassurant. Quand les pauvres restent pauvres, ça rassure tout le monde. Quand les riches restent riches, ça rassure tout le monde. Une société n'aime pas beaucoup le changement, et pas que de l'âge de la retraite. Une société n'aime pas le changement parce que, même dans une situation mauvaise, au moins on sait ce qui se passe en ce moment. Du moment que ça reste stable, c'est peut-être mauvais, mais on connaît. C'est peut-être pas équitable, mais on sait gérer ça. On a l'habitude. Et l'habitude est quelque chose que l'être humain recherche, parfois à tout prix. Certains d'entre nous sommes particulièrement angoissés par le changement. Alors une église qui s'appellerait réformée et est toujours en train de se réformer, ça c'est épuisant. Surtout quand on arrive à 50 ans, on se dit, bon, changer tout c'était bien quand on avait 20 ans, 30 ans, 40 à la rigueur, mais à partir de 50, on aimerait bien un peu de stabilité. Et comme par hasard, à partir de 50, c'est en règle générale l'âge dans lequel vous avez des fonctions qui sécurisent la stabilité de la société. Des fonctions d'autorité, des fonctions de pouvoir. C'était le cas des pharisiens, c'était le cas de tous ces experts religieux que rencontrait l'aveugle. Donc l'angoisse collective à laquelle fait face Jésus, c'est cette peur du changement. On a plein de récits comme ça. Souvenez-vous en Marc 5, ce possédé qui vivait dans les cimetières et qui était tourmenté. Il était totalement déshumanisé, mais au moins c'était pratique. C'était lui le fou.
c'est important d'avoir un fou dans un village, parce qu'au moins lui, il est fou, et moi, je suis moins fou. Je suis hyper stable. Regardez, il devient la norme. Vous savez, on a besoin de normes, on a besoin de, d'étalonnage des comportements. Et donc l'aveugle, qui est aveugle de naissance en plus, il n'a même pas eu un accident, il n'a même pas eu une maladie grave, il est aveugle de naissance, un aveugle de naissance, soyons raisonnables, il faut que ça reste aveugle. Et donc que Jésus vienne guérir ce gars-là, c'est vraiment un manque de savoir-vivre. C'est vraiment un manque de bienséance collective. En plus, Jésus pousse la plaisanterie jusqu'à faire cette guérison le jour du sabbat. Un jour où on n'est pas censé se déplacer, on n'est pas censé produire d'activité. Or, commencer à faire un peu de la poterie là, avec de la terre, de la salive, etc., prétendre opérer un acte de type médical le jour du sabbat, c'est interdit. C'est interdit. Et il faut respecter le sabbat. Toute la spiritualité juive depuis 3 siècles avant Jésus est polarisée sur le sabbat. Le sabbat, c'est le cœur de la piété juive. Et c'est pas mauvais en soi, le sabbat, forcément. C'est quand même le 4e commandement. C'est une façon de respecter Dieu, une façon de rendre à Dieu ce qu'on lui doit, une façon presque d'imiter Dieu, puisqu'on se repose le 7e jour, parce que Dieu s'est reposé, d'après Exode 20, ou d'après Deutéronome 5, on se repose parce que quand on était esclave en Égypte, on se reposait jamais. Donc si on est libre, il faut se reposer. Je prêche ça souvent dans les églises chinoises dans Paris, où le repos consiste dans les 2 heures de culte du dimanche pour les chrétiens chinois, et tout le reste du dimanche est travaillé. Jésus produit une action le jour du sabbat. Donc non seulement il déstabilise la société en guérissant un aveugle, il le fait le jour du sabbat, allons-y gaiement, il le fait par un geste extrêmement symbolique, où en fait il se prend pour Dieu. Parce que le coup de prendre de la terre, de la façonner, d'y mettre plus de vie, on connaît. Genèse. Il y a là un acte qui n'est pas simplement un acte de travail, d'activité, d'action, c'est un acte créateur en plus. Créateur de vue dans des yeux qui n'ont jamais vu. Vous voyez, ce n'est pas de la réparation, c'est de la création. En termes d'activité, pour un jour de sabbat, c'est encore pire. Bref, ce Jésus, alors que Dieu s'est reposé le 7e jour, ce Jésus travaille le 7e jour. Ce Jésus crée le 7e jour. Il crée des choses le 7e jour, il crée la vue dans cet aveugle. Quand même, quel scandale! Quel scandale! Vous voyez, les pharisiens sont préoccupés par le maintien de l'ordre établi. Ils sont préoccupés par la centralité de leurs idées théologiques. Ils sont préoccupés par leur façon de voir, si j'ose dire. Et en fait, ils auraient préféré que l'aveugle ne voie pas. Vous voyez, la perspective que Jésus est en train de mettre en place, au-delà de la guérison de cet homme, qui en soi est formidable, c'est d'aller titiller l'ensemble de la société, pas simplement les parents de l'aveugle, pas simplement l'entourage, pas simplement les pharisiens. C'est d'aller les titiller en leur disant « Mais finalement, qu'est-ce qui est au cœur de votre foi ? Est-ce que c'est la célébration de la vie ? À la suite de l'injonction de Moïse, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Ou est-ce que vous pensez que voilà, vous avez un Dieu créateur et donc le maintien, l'hyperstabilité de l'ordre créé, voilà, vous êtes la police de la création et rien ne doit changer ?» Jésus, lui, amène de la vie. Celui qui va être le ressuscité, le premier d'entre les morts, eh bien, il amène de la vie d'une façon totalement incroyable dans l'entourage de cet homme. Et tout le texte, dans l'humour des réparties de l'aveugle ou même de ses parents, est écrit avec pas mal d'ironie, puisque
toute la fin du passage nous met en perspective le fait que les aveugles dans l'histoire, ce sont les pharisiens. Ils n'ont rien compris. Ils croient y voir clair, y voir suffisamment pour lire la Torah, la connaître par cœur, mais en fait, ils n'ont rien compris, ils ne voient pas ce qui se passe. L'aveugle, lui, voit, mais ceux qui voient ne voient plus. Et Jésus va clore tout cet épisode avec ce passage du Premier Testament, comme quoi le Messie vient pour que ceux qui croient ne pas voir, eh bien, soient manifestés comme des gens qui y voient, et ceux qui croient voir soient manifestés comme étant des aveugles. Vous le savez, quand nous pensons maîtriser les choses, quand nous pensons connaître un sujet, il y a des chercheurs dans la salle, quand nous pensons avoir une pleine autorité sur un domaine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes au paroxysme du mensonge à soi-même. Sans citer de philosophe grec, on se souvient que tout ce que l'on sait nous cache tout ce que l'on ne sait pas encore. Quand nous croyons que ça y est, nous savons, il y a eu le Big Bang et il suffit d'attendre 15 ans et le Big Bang a disparu des théories scientifiques. Maintenant il y a ci, maintenant il y a ça, on vous dit c'est comme ci, c'est comme ça aujourd'hui, rassurez-vous, dans 15 ans on vous dira autre chose. Finalement, ce que Jésus essaye d'apporter, c'est d'apporter aux croyants la conscience que, bien sûr, ils savent des choses, ils connaissent des choses, ils voient des choses, mais le plus important, ce n'est pas ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est cette démarche qui ne consiste pas à voir ou savoir, mais plutôt à regarder. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce qui est important pour le croyant, c'est surtout de se polariser sur ce dont il a conscience qu'il ne le maîtrise pas encore. L'important dans la vie, c'est cette démarche de dire « je veux connaître plus ». Parce que des cécités qu'il faut guérir, en réalité, c'est chaque jour que nous avons à le vivre. Il y a tant de situations en église, dans la famille, au travail, où nous avons pensé, voir, savoir, maîtriser, et où finalement on se dit « ah non, mais j'avais complètement loupé dans ma perspective, ma façon d'aborder ce problème-là ». Et le but de notre foi, c'est pour ça qu'on vient au culte le dimanche notamment, hein. Le but de notre foi, c'est d'être de dimanche en dimanche et au jour le jour dans notre piété, challengé par le Seigneur pour dire « mais regarde, ce texte tu l'as déjà lu 100 fois et pourtant tu n'avais pas vu ça. Le Notre Père, tu l'as déjà dit 1000 fois, pour certains d'entre nous 10 000 fois. » Et si tu le dis avec le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui peut surgir à tout moment dans la banalité du Notre Père, pardon pour l'expression. Les pharisiens, dans cet épisode, sont manifestés non seulement comme des aveugles, mais en plus comme des sourds, et aussi des paralytiques, incapables de se déplacer. Bref, ils ont la totalité des handicaps. Vous savez, quand vous maximisez les handicaps, il y a un moment, votre handicap s'appelle d'un nom terrible qui est la mort. Ces pharisiens sont morts. Ils sont les gardiens d'un ordre établi complètement mort. Et Jésus vient amener la vie en touchant celui dont on disait que s'il est aveugle, c'est forcément qu'il a péché, c'est forcément que ses parents ont péché. Vous voyez, on a établi des tas de théories pour expliquer la chose. Aujourd'hui, on dirait c'est génétique, et puis demain, on dira c'est neuropsychiatrique. Jésus vient là où nous sommes, et il vient
confronter nos aveuglements. Parfois, on n'est pas complètement aveugle, mais vous savez, on a des œillères. C'est-à-dire que là, je ne vois pas Jean-Fred et Régine, qui sont au premier rang à ma droite. Pourtant, ils sont bien là. Parfois, nous ne sommes pas aveugles, mais nous avons des œillères. Et le Seigneur, non seulement guérit les aveugles, mais il aide aussi les croyants à écarter l'œillère un peu plus vers l'arrière. Le challenge pour nous aujourd'hui est le suivant. Est-ce que nous acceptons que le Seigneur nous déplace dans le fait de réaliser que nous étions bornés, nous étions limités parce que nous nous étions construit un petit système qui était rassurant? Ah, au moins lui, il est aveugle et ça ne changera jamais. Nous étions construit un petit système rassurant, mais le Seigneur ne veut pas nous rassurer à bon compte, il veut que notre réassurance soit dans le fait de compter sur lui. Il vient nous surprendre, et si on arrive à compter sur lui, compter sur ses surprises, compter sur le fait qu'il va être là avec nous, il dira à la fin de son parcours, avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. À ce moment-là, cette dynamique du changement, presque au quotidien, peut être viable. Nous cessons de devenir des adorateurs de l'immobilité, l'immobilité parfaite étant le cimetière, mais nous devenons des personnes qui acceptent le fait que tout est en train de changer. Souvenez-vous, il n'y a pas dans votre corps une seule cellule qui était présente il y a 8 ans. La totalité de notre corps au niveau cellulaire est renouvelée en 7 ans. Incroyable. Mais alors, où est-ce que sont passées toutes ces cellules qui étaient là à ma naissance? Je suis pourtant moi. C'est toujours moi. Oui, mais tu as changé. Tu as fondamentalement changé. Tous les jours, tu changes, ne serait-ce que par le fait de vieillir. Alors le Seigneur veut nous inviter à penser cette foi en mouvement plutôt qu'une foi figée, une foi morte. Et c'est pour cela que nous allons prier, pour demander au Saint-Esprit qu'il soit l'animateur de ce mouvement, que ce ne soit pas seulement les contrariétés, les événements, les maladies et autres qui soient animateurs ou animatrices de ce mouvement en nous. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que c'est vrai que si nous avons peur du mouvement, c'est souvent parce que nous avons peur des catastrophes, de l'adversité, des difficultés. Et que quand une petite stabilité de vie s'est mise en place, nous n'avons pas envie qu'elle soit bousculée. Nous voulons accepter ce que Jésus est venu nous donner de ta part, à savoir cette aptitude à changer d'un bon changement, parce que ton Saint-Esprit œuvre au milieu de nous. Oui Seigneur, il y a sûrement des choses, même si nous sommes chrétiens depuis 30 ans, 40 ans, il y a sûrement des choses qui peuvent être encore déplacées. Il y a sûrement des facettes de notre caractère qui peuvent être encore émondées. Il y a sûrement une forme de perspicacité venant de toi qui peut nous être donnée pour être beaucoup plus pertinent encore avec les situations que nous rencontrons au jour le jour. Tu nous fais témoin d'un miracle qui est celui du passage par la mort et du retour à la vie de ton Fils Jésus le Christ. Tu nous fais témoin aussi de tous ces merveilleux changements comme l'aveugle né de ce matin, mais aussi tous ces déplacements que nos frères et nos sœurs connaissent et que nous connaissons dans notre propre foi encore aujourd'hui. Alors permets que par ton Saint-Esprit, toutes nos peurs, tous nos immobilismes, toute notre confiance mise dans des structures inamovibles puissent être maintenant bousculées dans cette réassurance que tu seras avec nous tous les jours. Permet que cette réalité biologique de notre équilibre, qui est toujours en réalité un déséquilibre, puisse être notre quotidien. Permet que nous soyons, à l'image de ton Fils, des gens qui sont en train de marcher
Et cette marche, c'est toujours un déséquilibre. Je me déséquilibre vers la gauche, vers mon pied gauche. Je me déséquilibre vers la droite, vers mon pied droit. Et de déséquilibre en déséquilibre, j'avance. Seigneur, conduis-nous. Que ton Saint-Esprit soit celui qui organise ce rééquilibrage de chaque instant, mais donc aussi ce mouvement et ces changements de chaque instant. Nous te le demandons pour nous-mêmes et aussi pour notre Église. Tu sauras nous accompagner dans cette marche structurante vers une vie plus vivante et un mouvement plus harmonieux. Par Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen.